Bonjour, bonsoir à tous. C'est Adrien du French Grenier, bienvenue dans ce petit épisode de Trèfle. Aujourd'hui, on va parler d'une gamme de revolvers un peu marrante, je trouve. J'ai toujours bien aimé les revolvers en 22 LR, mais plus marrant, il y a les revolvers en 22 Magnum. Et aujourd'hui, on va parler des Arminius. Arminius notamment avec ce modèle HW5, parce que pourquoi se faire chier avec des noms quand on peut donner des codes, qui est un revolver façon un peu Colt des années 80, tu vois, avec un barillet de 8 coups, si je me trompe pas, c'est tout à fait ça. C'est rigolo, c'est fini un peu à la pisse, ça fait très, ouais, revolver Zamac tout pourri, mais bon, si ça marche, moi j'en demande pas plus. Allez, on va tester ça, parce que les revolvers en 22 mag, c'est quand même rigolo. Alors, dans un premier temps, on va s'en mettre 5, hein, parce que... Je retiens parfois la leçon des armes qui ne marchent pas et que j'approvisionne à 35 coups. Voilà. Alors, donc, c'est un double action et simple action. La poignée est vachement bien, elle me rappelle la poignée de mon rasgasseur, un peu. Ou par contre, la double action est dure. Je sais pas où je suis parti. Ouh, putain. Ouf, attendez, je vais faire un peu de simple action. Mais elle quitte le canon, c'est... Ah oui. Bon, attendez, je vais voir où je suis. Bon, je sais pas. Après, je sors du 44 mag, donc c'est vrai que j'ai pas la main très très sûre. J'en ai une en haut à gauche. Ah oui, oula. Comment ça clique ? Bon, mécaniquement, c'est pas... Bon, ça pète pas 36 pattes à deux canards. Mais c'est pas mal. Surtout que ça doit pas être des armes chères en prix, donc bon... Enfin, je suppose... Alors, je sais que Arminius... je sais plus qui a repris Arminius, c'est Vairor, je crois. Ils font maintenant des armes, des revolvers de compétition, mais... Oh, les trucs... Enfin, putain, les trucs, t'as l'impression d'être à Bogota dans les années 40 avec les maisons closes, quoi. Comment ça clique ? Y a pas de clic qui tienne là ! Quand même. C'est marrant. C'est marrant, puis en plus, ouais, c'est un. Alors ça fait un bruit de fou. Mais c'est marrant parce que. Quand j'ai arrêté de mourir, pardon. Ça fait un bruit de fou, mais c'est de bons revolvers de plinking. Moi je trouve c'est poum poum poum, tu les envoies quoi. C'est rigolo. Donc il s'ouvre par là comme un flip-up classique. Mais il existe en court le HW5. Il existe aussi en long le HW7. Et le HW7 ne s'ouvre que comme ça, en avançant la tige d'éjection. Celui-là me plaît un peu plus. Il est un tout petit peu mieux fini. Bon, c'est toujours les mêmes matériaux à la con. Mais c'est marrant. Enfin, pour des gens qui ont choisi... un nom de chef germain extrêmement solide. Ils auraient peut-être pu choisir des matériaux un tout petit peu meilleurs. Mais bon. Allez, on va tester le HW7, la version longue donc, et espérer qu'il fait d'un peu meilleur carton. Ce serait appréciable. Alors... Et encore une fois, je sais pas où je suis. Ah oui, attends. D'accord. Putain, mais ça fait un blast à l'avant, là, c'est ouf, ça. Clic. Non, c'est... Ouais, c'est rigolo. C'est marrant parce que, mécaniquement, c'est marrant. C'est même pas du chien intégré, c'est... C'est de la barrette de transmission. Ouais.
Ouais, pourquoi pas. Alors, celui-ci, l'autre, je ne l'avais jamais testé. Celui-ci, je l'avais testé à 10 mètres. Je le trouvais rigolo à 10 mètres. Pas précis, mais rigolo, quoi. Enfin, bon. C'est surtout du revolver de plinking, quoi. Je pense que j'en ai mis aucune. Littéralement. Je sais ce qu'on va se faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas refait ça. Et comme j'avais dit à l'époque, j'ai adoré ce moment. Évidemment que j'allais faire ça. Évidemment. On va les chambrer tous les deux à huis clos et on va bombarder. Et on va espérer toucher quelque chose. Et pas forcément que je vais tirer les deux en même temps tout le long, mais de toute façon, il va falloir que j'abrège un moment puisque j'ai encore quelque chose à tourner derrière et que je suis sur ma pause de midi qui est bientôt finie. Donc bon, voilà. Allez! Et c'est parti, mon kiki! Oh là là, le bruit que ça fait! Putain, puis le souffle! Putain! Ça fait un bruit de dingue. Vraiment, c'est désagréable. Alors, pardonnez-moi, je vais quand même finir ma boîte. Parce que là, il m'en reste 4. Encore une fois, je vais pas ranger une boîte avec 4 munes dedans. Hein. Là! Et c'est parti, mon kiki! Ça marche bien! Enfin, presque bien. Disons que, à mon avis, ça c'est le genre de revolver où il faut qu'il soit propre. Parce que là, il commence à être un peu crado et je sens que le barillet a quelques hésitations. Voilà, bah écoutez, c'était les Arminus HW5 et HW7. Sans être extraordinaire, c'est pas mal. Ouais, c'est rigolo pour du plinking, tout ça. C'est marrant. Voilà, allez, amusez-vous bien, mangez des légumes. Buvez de l'eau. Ciao!